Eh bien, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit let's play sur un petit jeu qui s'appelle Corve. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. C'est un jeu entre une femme et sa monture, donc un vaisseau. On va voir ce que ça donne, hein, c'est plein de petites missions spatiales. Voilà, on va découvrir ça ensemble. Voilà, on va se faire un petit gameplay d'une petite heure à peu près. Ça a l'air plutôt pas mal, hein. Là c'est la version PS5. The same powers the menacing faceless harness from inside their void. Nothing was able to stop the power of the circle. Nothing was able to stop me. But then he changed. Something happened, and suddenly no sacrifice was too much. Nimica Prime. A rebellious world refused the harmonious doctrine of Chorus. Car on apprécie pour l'instant la qualité des graphismes, plutôt sympa. Destroy that planet, Nara. I hesitated. You can refuse. Mais oui, elle veut plus lui obéir. But I didn't. I gathered all my anger and billions died. I heard C'est horrible, hein. That day, I left the circle, turned my ship towards the rift, ready to stop it or die. Keisha died first. Urum soon followed. Awan, my brother in Chorus, was hit. So I left him behind. I left them all behind. And I fled. Allez, on va tester ça. Ah, se croirait dans Star Wars, là. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des petits coms, les amis, liker la vidéo, évidemment. Et puis partagez là, ce serait bien. Et puis plus on est de nombreux, plus on est de fous. Car sur ma chaîne, vous le savez, je fais du contenu divers et varié. Car le jeu c'est bien, mais pas que. J'espère qu'ils vont m'expliquer les touches. How are you doing in there? Relax. I'll bring your AR-1 back. Just bring yourself back. And some Natu power cells for the enclave. Ok, accélérer, là on apprend les boutons. Hop, hop. A raid. Someone sold them out to the cult. Ouais, il est super bien fait, hein. A circle cleansing doctrine. Thara. Who betrayed them? Never found out. A power cell. I got one. Perfect. This Neju tech could power the enclave for years. If the circle doesn't find us, I can still reach out with my right of senses and find them. Okay. You really are one of a kind, Nara. How did you find that? I'm heading deeper, Sev. They must never know about my right. About me.
Elle est là-dedans. Hein. Ok, ça c'est fait. Et maintenant, ça va s'ouvrir. Ok, là, j'ai le tir. Automated security could still be active. Contact. Ah, ok, faut que j'étruise les petites tourelles. C'est parti. Il est beau. Ok. Nice shooting. But the section is under lockdown. I'll find a way. Or make one. I can sense the barrier field's energy flow. On va détruire ce truc là. No power, no barrier field. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, les petits amis? Pas sortir par en haut. Oh lolo. Ok, faut que je trouve ces trucs là. On récupère des cellules d'énergie 1 sur 3. C'est pas là. Bon. En tout cas, c'est un bon petit jeu. Bon, je mets un peu plus de temps parce que j'ai pas compris. Est-ce que je peux détruire la barrière d'énergie? Tu vois que ça part de là. Comment tu fais? C'est pas là. Ah. J'ai compris. C'est là-haut. Comment on fait pour... Ah, c'est ça, il y a juste à passer dessus. Ok. Bon, bah, le premier niveau, hein, c'est une sorte de dictaciel. Ah, bah voilà, là, j'ai les points. J'ai les indications. Eh ben les amis, vous voyez, je suis déjà planté. Fait chier. Lui, il ouvre là, ça j'ai compris.
Et un moyen de rentrer là-dedans, peut-être? J'avais pas vu que là c'était ouvert. Oh, le boulet, voilà, ça c'est tout moi. Ah, c'est passé. Voilà, ok, il m'a fallu 2 heures mais j'ai compris. Il va falloir détruire lui. J'ai juste eu à passer devant et ça s'est ouvert, d'accord. Bon. Voilà, bon, désolé, hein. J'ai perdu un petit peu de temps à chercher. Oup, oup, oup. En fait, il y a plein de petits trucs cachés comme ça. Waouh, c'est beau. Franchement, il est super réactif. Bon, là, je peux pas y aller pour l'instant. Voilà, j'en ai un là. Voilà, je commence à m'habituer au jeu. Prise en main, elle est assez facile. Là, et là, je peux accélérer. Il y en a un qui me tire dessus, je vais pas rêver. Oh non, regarde. Voilà, ça y est, je commence à être à l'aise avec le vaisseau, en tout cas. C'est une belle immersion. Voilà, ce sera un petit test avec vous. Hein. C'est plutôt pas mal, hein. Il y a pas mal peu de petites choses à faire. Encore deux. Sav, you okay? I knew what had happened here, but seeing it, all those people, the dreams, plans, all dead. I know. It's cult work. My work. Once I perfected those very doctrines. Bon, j'ai un peu merdé. Il est où lui? On va se ressaisir, hein, les amis. On va essayer de trouver les trucs qui me manquent. Tiens, là. Non, franchement, j'aime bien ce petit jeu. Encore? Attention, attention, on amarre la sortie.
Voilà. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Heavy contact. Engaging boost. I have company, Sav. Pirate crew. Ok, des ennemis, corbeaux pirates. Allez, par contre pour les shooter, mais bon, je savais combien détruire. Et il me lâche pas, hein. On va leur montrer qui je suis. Non mais. Je suis un super pilote, moi. Voilà. En tout cas, les impacts, c'est super bien fait. Il m'en reste un. Allez, on se débat. Celui-là, c'est dans la poche. Voilà. Qu'il repose en paix. Ouais, je suis comme ça, moi. D'accord. Je sais pas c'est quoi les petites sphères là, j'ai envie de voir ce que c'est. Ah, souvenir civil. Ok. Franchement, je sais pas quelle est votre impression, mais pour ceux qui l'ont pas fait, voilà, on a passé un petit chapitre. C'est plutôt pas mal, plutôt intéressant. Prise en main est plutôt bonne. Ok, et là, on a le turbo, et ce qui est génial, c'est que vous, vous le ressentez pas, mais moi j'ai la manette qui vibre. Très immersif, hein. Ah, on a envie de se balader partout, tu vois. Je crois qu'on peut même les détruire, les... Non, on peut pas. J'aurais pensé. C'est ces trucs que je peux récupérer. Évidemment qu'on va s'amuser un petit peu à se balader, hein. Ah, j'en ai un là. Je crois que j'étais un peu vite. Non. Allez, on y retourne. Non, non, il n'y avait rien. Bon, allez, on va aller à l'objectif.
Optionnel, rencontrer Hazan. Bah attends, alors soit on se fait la quête. Bah là, on va rencontrer Hazan, ce qui peut être pas mal. On va se faire ça, les amis. Enfin, en tout cas, vous avez compris le principe du gameplay. Bon, bah là, j'imagine que c'est le début, donc ça peut vous paraître un peu vide. Et franchement, quand on joue, on est tout de suite captivé. C'est vraiment un petit jeu que je vous conseille. Voilà, donc il y a quête principale, quête annexe, et c'est plutôt bien pensé, hein. Et ça se joue, voilà. Alors. Merde, pardon, mince. J'ai mal jugé. Comment on fait pour à pied pour parler, d'accord. It's a quick delivery, but I'd feel safer if someone like you could watch my back and pour couvrir mes arrières. Ok, donc on va faire de la protection. I'll pay you. Bah, elle est où? Ah oui, j'ai pas validé. Donc c'est bien, ça t'as plusieurs fois le choix de répondre. Allez où? C'est génial, hein? Ah moi j'aime beaucoup ce petit jeu. Plutôt intéressant, graphiquement il n'est pas dégueu sur PS5. Elle est passée où? Elle est là. We're here, but I'll drop off my goods fast. Hazan! Finally found you. I have your credits. Almost. I just need to... That story's growing old. Pay now. Oh. Nara, can you... maybe... Okay. I'll cover your debt. Fine with me. We'll see you, Hazan. Always welcome to join us for another game. Thanks, Nara. You owe me now. I know. My cargo's still at the enclave. It's yours. Follow me. Voilà. Est passé où? Elle est là. Je l'avais perdu de vue. Voilà, donc j'attends votre point de vue. Ouais, bah, elle est donc elle est pas loin. Et mon objectif, il est pas loin. Donc là où je dois aller, donc ma quête principale. Voilà, ça c'est cool, ouais, les petites quêtes comme ça là. Bon, voilà, maintenant on va aller à la quête principale, l'enclave. Euh,
Qui est où? Sav, I'm coming in. Your Naju power cells are all safe. And your landing bay is ready. Donc voilà les amis, donc on aura fait un petit parcours ensemble. Bon, un petit gameplay intéressant hein, pour eux. Écran du hangar. Ben voilà, on aura fait un petit gameplay court. Mais je dirais plutôt intéressant. Moi, franchement, j'ai bien envie de continuer ce petit jeu. J'espère que ça vous aura donné envie à vous aussi. Ah, malgré le petit début où il y a eu des petits couacs, où je me suis un peu perdu, où j'ai mis du temps à comprendre. Évidemment, hein, c'est moi ça. et sinon, franchement, la prise en main est directe. Ce qui veut dire que c'est pas inversé, tu vois, quand tu joues avec le, tu contrôles le vaisseau, c'est généralement haut, c'est quand tu fais haut, le vaisseau descend, bas, le vaisseau monte, par gauche et droite, donc des fois c'est un peu galère à comprendre, alors que là non, c'est haut, bas, gauche, droite, enfin tu vois, tu te poses pas de questions, et avec la manette, donc la manette PS5, franchement, on ressent vraiment tout l'univers de l'espace, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc un bon petit jeu que je vous conseille, et peut-être un autre petit gameplay, je ne sais pas. Tous les cas, hein, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits coms, à vous abonner, important, car je suis bien content, franchement, ça fait plaisir, ça motive. Voilà. Hein. Et ben, c'est plus qu'à vous dire, hein, jouez bien, portez-vous bien, mais surtout, cassez pas les manettes. Ciao, ciao les amis, à plus tard, et peut-être bientôt pour un vrai live avec vous. Ciao, ciao!